s'en va. Ouais, allez, on part en vacances. Oui, toutes les valises sont faites. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on a des tonnes de trucs. Mais j'ai pris les oreillers pour qu'on soit à l'aise chez ma grand-mère, parce que je suis pas sûre qu'on ait des oreillers pour tout le monde. Les vestes pluie. J'ai vu la météo, va pas forcément faire très beau. Une valise chacun, un matelas gonflable. J'en ai besoin pour chez ma grand-mère. Et voilà, je vais mettre tout dans la voiture. Tu prends pas ça, mon Toi? Bah, mets les trucs comme ça, prends des dinosaures, des trucs comme ça. Je viens de lui dire d'aller chercher des joujoux. Prends le sac mignon qui est dans la chambre d'Andrea. Le sac mignon qui est dans la chambre d'Andrea. tout est fermé dans la maison. Oui, j'allais dire, je vais aller chercher les petits jeux de plage pour les petits bouts, vu qu'on va aller à la plage chez ma grand-mère. Vous allez plus me voir, je vous reprends après. Donc là, moi, je vais remplir la voiture, aller chercher les derniers trucs dans le garage, et puis on est prêt à partir. Je suis contente, on est dans les temps. Il n'est pas encore 8h, donc je remplis ma voiture avant 8h, et je voulais qu'on parte à 8h. Mais ça va être possible, je suis trop contente d'avoir réussi à tenir les temps. C'était dur le réveil ce matin, mais c'est pas grave, c'est pour le départ en vacances. Oui, ma puce. Tout va bien rentrer vu qu'on n'a pas grand chose au final. Bon, on a arrêté sur une aire d'autoroute, on fait pique-nique à même le sol parce qu'il n'y a plus de place, toutes les aires sont pleines, hein. Il y a vraiment du monde. Ouais, on est bien ici, on est content. On va manger tranquillement notre petit pique-nique. On n'est pas les seuls à faire ça, hein. Il y a du monde autour. Et au moins, on a une place à l'ombre, hein, les enfants. Oui. Ils sont mignons, ils ont été très sages. Oui, on va manger. Oui. Et après, on repart. Bon, allez, on est sur le départ, il est 13h, ça va, je trouve qu'on s'est pas trop arrêté trop longtemps. Il y avait une queue de fou pour les toilettes parce qu'il y en a qu'un pour toute l'aire. C'est quand même assez spécial, je trouve. Maman, forcément, on fait beaucoup de queue. Oui, ils vont dormir, mais lui, il pense pas. Ah, il me parle de ses jeux. D'accord, si tu veux. Donc là, on y va, prochain arrêt, on sera chez nos amis. On va arriver vraiment dans pas longtemps, je pense. Ah bah oui, il a 1 heure. Ouais, il y a sûrement 1 heure de route. Peut-être 1h30 quand même. On va vérifier. À 100 mètres, tournez à droite. Il calcule pas. Mais je pense qu'il y a 1 heure, 1h30. On devrait y être pour 14h, 14h30. C'est très bien ça. Bon, allez, je vous reprendrai là-bas avec mon grand loustique. Je retrouve mon Maxence. Je suis trop pressée. S'y attendait pas. Oh, les gros câlins. Bon, à peine à l'arrivée, déjà dans l'eau. Bon, vous devez entendre, il y a beaucoup de vent. Mais ça leur fait du bien. Moi, j'ose pas y aller. Et il y a Julien, il va mettre un peu l'abri pour qu'il y ait un peu moins froid vu qu'il y a beaucoup de vent. Et on a eu papa au téléphone. Tout va bien. Maxence, c'est la première fois qu'il lui parle depuis que papa est parti. Hein, Maxence? C'est la première fois que tu parlais à papa? Oui. T'étais content? Ouais. Tu me montres comment tu sautes? Oh là 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 là. Maman, regarde comment tu sautes. Vas-y, je regarde. Ouais, la puce. Bah allez, c'est le moment du dodo. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Ça fera dormir, ils sont trop beaux. On a une petite puce qui va faire dodo aussi. De dodo là. Ah non, là c'est maman là ici, ma puce. La puce, elle fait dodo là.
Ah, ma puce. On va aller faire dodo maintenant. La journée, elle est terminée. Oui, on va mettre la couche. Alors, j'ai mis la couche hier. Je vous ai pas dit ce matin, mais il n'y avait pas de pipi dedans. Donc, la puce est en drap. Elle est sans couche. Elle fait pipi au lit. Elle a une couche, elle fait pas pipi au lit. Voilà. Oui, ça, c'est à toi. Ces petites affaires de la puce, elles sont là-dedans. Maman, ça. Oui. C'est trop mignonne. Bon, allez, on va faire dodo. Moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette journée avec vous vous aura plu. C'était surtout une journée trajet. Demain, on sera sûrement en détente avant de partir chez ma grand-mère. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve en après-midi dans la voiture. On va... Une petite surprise pour les enfants, vous allez voir. J'allais le dire, mais comme c'est une surprise et que j'ai les deux loustiques dans la voiture, je vais pas le dire. On va à un petit endroit pour faire plaisir aux enfants et surtout éviter de s'ennuyer. Il pleut et tout ça, donc au moins ça va faire une petite activité. Ce sera cool. Je vous montrerai quelques petites images et puis voilà.